Yep, tout le monde, c'est Dadou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur l'épisode 2. Sur l'épisode, comment on l'appelle déjà cette série en fait? Jurassic Craft. Jurassic Craft, voilà. Voilà sur l'épisode 2 de Jurassic Craft. Qui est l'originalité aussi le nom du mode, mais bon, on ne dira rien. C'est ça. C'est ça. Donc, premier épisode, on avait beaucoup miné. Ben, regardez ça, ça c'est tout nouveau. Clairement, c'est Franck qui écrit, ça se voit. J'ai fait exprès de mettre des nains en majuscule. D'accord. Alors, l'extracteur. Je vous montre. Alors, pour le DNA extractor, alors on va vous expliquer rapidement ce que c'est. Donc, vous voyez ça? L'arbre. L'arbre ou les fossiles. Les fossiles. Voilà, mais là en bas, comme ça je peux montrer aussi. Donc, c'est-à-dire? On le mettra dans le DNA extractor. Non, d'accord, ça va. Dans David, non. Ah, mais justement, c'est pour montrer. Donc, grosso modo, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a fait ça, on pourra extraire les fossiles. C'est-à-dire on aura des souches de fossiles. Bon, pour le moment, pas faut vous montrer, étant donné qu'on va pas le faire dans cet épisode-là. On vous explique le fonctionnement. Une fois qu'on a nos brins d'ADN, soit on a un brin à 100% grâce à l'ambre, donc directement, on le met directement dans la couveuse, qui sera ça qu'il faudra mettre avec de l'eau, de la bouffe, etc., etc., etc. Imaginons qu'on a un brin de T-Rex à 25%. Et qu'on a un autre à 75%. On les met dans le DNA Combinator, qui est ceci, et qui donnera un brin d'ADN à 100%. Donc, en plus d'Adam, clairement... il s'est trompé dans l'ordre, ce vieux schlag, alors, donc dans le cas, dans l'ordre, c'est Extractor, Combinator et Couveuse. Pareil, connard. Non. Donc là, le premier objectif, on est d'accord, c'est retourner miner. Donc voilà, ce qui nous manque, on a la pioche en diamant, il nous manque 8 diamants et 16 or. Les 16 or que nous avons, je peux commencer à faire des choses, du coup. Ah oui, je fais des choses. Donc là, c'est le moment nul, encore une fois, on va retourner miner, on espère en trouver ça rapidement. Et dès qu'on a ça rapidement, les gars, de toute façon, là, ce qui nous manque, c'est l'extraction. Et dès qu'on pourra extraire, tout simplement, on mettra un waypoint, on va faire sa vie, et on partira à l'exploration, trouver notre île. Mais tout simplement. Je suis pas sûr qu'il marche si on est plus, sur, plus à côté. Sûr ? J'ai un doute. Tard quand même, je veux dire, c'est fait pour. J'ai un doute. On va voir. Oh putain, me dis. Je suis con. Merci la carte de me dire où il y a des grands. Je suis con, c'est d'abord les engrenages en fer, hein, sur un or. Je dis franchement, pour remercier cette mini-carte qui me dit où c'est qu'il y a des grottes, ça m'évite de miner comme un retard dans ce temps. Et voilà, on a deux engrenages en or. Il nous manque plus grand chose, il nous manque juste 8 diamants, quoi. Voilà. Juste 8 diamants. Sachant qu'il y en a déjà trop dans le coffre. Il nous manque plus que 5 diamants, donc. Ah, ça va. Comment est-ce? T'as fait déjà un petit peu moins ça. Oui monsieur. Oui, qui est oui, parti oui, en opti. Donc attendez, on va activer le cheat X-ray. Par là, y a une grotte, David, t'as pas vu quoi, t'aveugle? Merde, j'ai juste ma pioche comme un con. Mais là tout droit. Je sais pas où j'ai trouvé. Mais là tout droit. Mais tout droit, creuse. Enculé. Et c'est là où je vais. Enculé. Mais quoi, tu le fais exprès, c'est là où je vais la contre ta race. On m'a saoulé. Par contre niveau bouffe, c'est un peu la crise. Petit peu. À la limite, tu vas chasser le caribou pendant que moi je m'amuse à chercher le diable, c'est quoi? Pourquoi pas faire l'inverse? Écoute, quand on sera vraiment en manque de bouffe, on ira tous les deux. Et avant qu'on se mange l'un et l'autre, presque combien de steaks? 10. Combien? 10. 10 10 10 Tu sais pas articuler la côte de ta race! Mais ta gueule, j'ai dit 10! Non, c'est faux. Tu sais, 1 et 0, ça! 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 Donc on est d'accord, t'en as bien 10, ça c'est bien ce que j'ai dit, non pas 6, la compte ta race. Enculé, je t'ai dit 10. C'est ce que j'avais. Oh mec, t'as pas compris. Justement, t'as pas compris qu'on est sous la grotte là. Non, évidemment, c'est trop compliqué pour toi. Ah bon, ça va les couilles, s'il est pas en couchose, ça m'intéresse pas. Voilà. Je veux dire en face là-bas, il y a de la lave, ça veut dire que la lave elle est en couchose. Par contre, clairement, pourquoi ça me chie dessus? Je pouvais pas remettre de blocs, bon, très bien. Bon, très bien. Il m'a bien saoulé. Fait. Moi je pars ailleurs, ça m'a saoulé. Bien fait. Le mec, il est. Ah. T'as une grotte? Ah, là voilà la madame. J'arrive. Attends. Non mais j'arrive. Fossile. Pause. Eh, c'est quoi ça? C'est ça les trucs que tu me disais super rares? Bah ça quoi? Ça. Attends. Ah oui, minute. C'est de l'amber. Voilà, c'est ça de l'amber. Et voilà, ça donc Dadou, explique-nous ça quoi déjà? L'ambre en fait quand tu la mets dans le DNA extracteur, c'est pas un fossile, c'est quelque chose qui va te donner l'ADN de dinosaure à 100% en fait. Donc, à coup sûr. Donc on a déjà, vu qu'on a 8 dans le coffre, on a déjà 10 dinosaures sûrs quoi.
Après, on peut voir des doublons, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sûr qu'on va voir tous les mêmes dinosaures. Oui, non, mais oui, non. Ça fait Et quand même. déjà, de toute façon, déjà, pour vraiment faire le truc comme il faudrait. Ah, j'ai de l'or par contre. Ça fait quand même 10 dinosaures, Ouf. coup sûr. Oui! Bon, peut-être les mêmes, mais Elle ça de fait 10 merde. dinosaures quand même. De toute façon, pour faire le truc, pour respecter vraiment, vraiment l'aspect Jurassic Park, avant de faire les dinosaures, il va falloir construire une couveuse. Où justement on mettra les œufs dinosaures à l'intérieur. Tu vois le délire? Oui, je sais, Eh oui! Moi je m'en bats les couilles, je torche pas. La douce, s'il Je te plaît, j'ai besoin respecte de pas ton les seau d'eau. viewers. Attends, je visite, je me suis perdu. Bon, vas-y, La. passe-moi ton seau d'eau. Parce que toi, je sais pas où tu pars, ça a rien de remonter, Dadou. Diamant, c'est pas en couche 34, je sais pas où t'es parti. Il y a des flèches La là, clairement, il est compasse. passé par là. Ah, mais il est là. Vas-y, mets de l'eau. Là-bas, remets de l'eau là. T'avais vu, mais moi aussi je l'avais vu. Non, mais moi, non, l'autre lac que je voulais faire à la base, moi. Oh, la quoi l'autre lac? Ben là, coucou, on est arrivé à la base. Faut que je me fasse un seau d'eau parce que clairement je dois dépendre de Dadou, on n'est pas dans la merde. Attends, moi je vais l'utiliser. Il y a encore de l'ambre, là je te laisse le prendre. Je suis encore mieux utilisé que toi, moi. Il y a de l'ambre là-bas aussi encore au sol. Et tu me dis que c'est aussi rare que tu diamant, putain? Je suis pas sûr. Hein. Bah imagine ça prend les blocs de diamants surtout, imagine ça prend les skins des blocs de diamants. Imagine un peu le dégoût. Mais non, Oui vu que t'as trop de diamants, c'est pas possible. mais non mais ce que je veux dire, imagine qu'à la place des diamants à la place, ils nous ont mis de l'ambre là tu vois, sur la génération. Commence pas à parler Et trop comme ça, clairement, toi. niveau rareté, c'est l'équivalent. Niveau rareté, l'ambre et le diamant, c'est l'équivalent. Je suis pas trop d'accord avec toi, quand même, là, sur le coup. Ah, c'est ce qui est dit sur le mode. Ouais, bah, c'est ce qui est dit, alors. Là, je sais pas pourquoi je le sens. Il y a plein de fer déjà. Ouais, le lac il est super vieux en obsidienne tout. Non, je regarde un petit peu pour regarder la lumière. Ah oui, c'est vrai que monsieur ne torche pas. J'ai pas de charbon. Mec, il y en a partout sur la route, t'es sérieux? Je voudrais du diable. Oh oui, je veux du diams. Donnez-moi du diable. Par contre, prends le fer et tout, mec. Si j'avais un peu de diable, je construirais une forge. Je construirais une forge. Mais il va me laisser tout miner, il va pas miner lui. Non? Les mines. Je mine que si je vois du diable. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. En fait, j'économise surtout en fait ma pioche parce qu'il me reste pas grand chose. Obsidienne tout là, obsidienne. Que quand tu me donnes des ordres? Eh, c'est qui a le plus d'abonnés ici là, hein? Oh! Monsieur Avensika, monsieur Slapette. Ah, monsieur se la raconte, ouais. En plus, je te mets des coups de seau, tu vois, dans ta bouche. Ah, là, ça remonte, là, il y a un petit truc. Eh bien, on remonte. Ouh, il m'énerve par contre à pas torcher lui. Respecte mon entorchage de qualité, s'il te plaît. Je t'ai pris pour une Ah! fois. Il y a Non. un creeper là. Il y a des creepers. Il y a beaucoup de creepers. Bonjour. Il y a plus de creepers. Il y a un squelette par contre. Vas-y, obsidienne là par contre, Dadou. Ça Ouh part là! loin et tu t'en bats les couilles quoi. Aïe! Évite de mourir par un creeper et viens obsidienner. Là. Là. Ah oui, en effet. T'aurais pas pu la taper, non? Elle t'est tombée sur le crâne. Je pouvais rien, moi. T'as failli mourir, non? Ta gueule. T'as pas dû jouer à grand chose, il me semble. Le problème, c'est vu que moi, elle me gangbanguait aussi comme une grosse tryhardesse là, cette putain de truc, je pouvais pas mettre le pseudo. Ah oui, c'est vachement rare ton truc, putain! J'en trouve partout mes diamants, par contre. Ah là, ça. Mec, j'ai 18 ans en peur sur moi. Et de quoi c'est rare? Imagine, ça a pris des slow d'audience. Je te jure, je désinstalle le mode. Le mec il pète un câble. Mais là, il y a de la lave encore. Oh là là là, on va pas y Le fight arriver. avec les creepers.
Vraiment pas y aller. Une nouvelle pioche. Oh, faudrait une nouvelle pioche. Eh ben va chercher une nouvelle pioche. Par où? Mais par la route. Tu sais pas où c'est la route, c'est ça? Non. Aïe. Je crois que je connais cet endroit, non? Bon, allez, je me casse, je vais partir en hôpital. Ça va être très pertinent pour vous, mais... Mais c'est où la route? Je sais pas. Mais t'es sérieux? Eh oui! Je sais pas par où on est venu, moi. Mais bon, tu non! Tu sais très bien dans les grottes, je sais venir, mais je sais pas où repartir en général. Non, mais c'est une blague! Bah non, ça s'est toujours passé comme ça avec moi. Oh putain. Bon, t'inquiète pas, on va trouver un jour là. Pour le moment, je me fight avec des zombies. Non, mais on est vraiment perdu? Bah non, tous les chemins mènent à Rome, là c'est obsidé, ça veut dire qu'on vient de par là. Cherche l'obsidianage, tu vois ce que je veux dire. Tous les chemins mènent à Rome, ça reste à prouver quand même. Bien sûr, regarde, quand tu bouges pas sur la mini-carte, tu le vois le trait d'où il vient. Tu vois ce que je veux dire? Ah, regarde, bien sûr. Si, raconte-lui encore. Le trait que j'ai miné, la ligne optique que j'ai miné. Ça fait un trait droit. Ah oui, donc du coup, il suffit de regarder sur la carte. C'est ça. Et oui, il est par là. Mais il devrait être un peu plus bas du coup. Et pas du tout. Ouais. Bah, surtout aux choses. Enfin, moi je pense surtout qu'il vient de là-bas. Et je t'ai regardé où c'est que c'est torché, ça veut dire que j'arrive de là. Bon. Attends. On va faire un truc simple. Voilà. Vous voyez. Ça signifie que par là-bas il y a notre base. Donc on va creuser. Allez, voilà. Salut. Qu'est-ce que ça fait? Je vais à mon point vert. T'as checké un waypoint? Bon, il va être encore demain, mais bon. S'il faut sur la route, on va trouver du diamant, ça peut être cool. Ouais, aussi, va savoir. Sur ma route. Je dis, là, il y a du diamant. Je suis enchanté là que je te défonce la race. J'ai rien chanté. Tu, tu chantes pas du rap islamiste, hein? D'accord, Black M islamiste. Ok, très bien, garde la paix. Ouais, tu chantes pas du rap islamiste. J'ai plus de pioche. Eh hey, mais tu feignasse! Prends ça, prends ça. T'as du charbon, j'espère. Non! Eh hey, mais tu feignasse! Non mais mec, si on a pas de charbon et que je casse ma pioche, on est mort! Oh, putain! Allez, feignasse, 1000! Mais pourquoi t'as fait ça? Mais on est arrivé par où, sérieux? J'ai de miner, feignasse. T'as une table de t'as du bois sur toi? Dépêche-toi! Non, mais attends, attends, non, mais sérieux, t'as du bois sur toi ou pas? Non! Parce que j'arriverai pas à destination avec ma pioche. T'as pas de bois toi non plus? Non. Bon! comment dire? Comment on fait pour mettre la carte en plein écran? Est-ce qu'on peut le faire ça? J'ai trouvé en théorie, c'est par là. Mec, suis-moi, je crois avoir trouvé. Je crois que j'ai un truc. Non, clairement, c'est pas par là. Hein. Mais t'es sûr qu'on était en couchance? Ouais. Là, par là, il y a une grotte. J'ai trouvé. T'es où? Attends, laisse-moi juste réfléchir. On va attendre que la mob se dézoome. Là, tu sais, mec, s'il faut en train de gueuler, mais c'est par là! Oui, ça va être fort au champ. Attends, je vais redescendre ici, là ici c'est obsidienné. Oh putain. J'ai trouvé! Mais viens me chercher! 400... Mm-hmm. Plus 407, plus 45. Mais comment tu as été là? Je suis remonté. Là, je vois ton pseudo, regarde, tourne. Par où? Par là? Regarde, j'ai mon pseudo, je vois ton pseudo, tu devrais voir le mien. Mais non, je vois pas. Est-ce que sur ta carte tu vois une sorte de grand rond? Non, mais je te vois. Voilà, mais regarde, repère-toi au grand rond. Il y a un rond. Oui, non, d'accord, il y a un putain de rond. Oui, mais je suis là! Calme. Vas-y.
Ouais, c'est dépêche-toi. Attends, on est vraiment arrivé par là? Oui. Elle t'a dit à la con partir dans des grottes comme ça plus jamais. Bah ça marche, on a trouvé de l'ambre. Ouais, et le diamant il est où? Voilà. On a trouvé de l'ambre. C'est un bon début. Oui monsieur. Ouais. C'est le meilleur début quoi. Oh sérieux, je veux du diamant s'il vous plaît. Je voudrais un peu de diams. Vas-y, je mets une part là, moi. Je le sens. Je voudrais un peu de diams. Ah, je suis content, j'ai trouvé du bleu, mais c'est du lapis. Pourquoi tu fais genre des feintes comme ça? C'est très relou. Mec, j'ai trouvé du lapis. Tiens, regarde, je te mens pas. Ouais, mais moi, je veux du diams. Et pas de trucs lapis. Je voudrais un peu de diams. Et on doit faire combien d'épisodes? Du diams? Oh putain. J'espère pas beaucoup. Épisode 45, on recherche encore du diamant. Nous recherchons du diaps. Dadou, j'ai besoin de ton seau. Oh, je te pousse dedans. Me dis pas que. Bah, moi je continue de trouver mon feu, ok. Bah, oui, travaille un peu. Montre quelque chose, pardon. Vas-y. Qui c'est qui a trouvé tous les diaps pour le moment? Waouh. Qui a trouvé tous les diaps? Qui a trouvé tous les diaps? T'es sérieux là? Ouais, je suis sérieux, qui a trouvé tous les diams? T'as pas trouvé de diamants là, je croyais que t'avais trouvé. Putain. Qui a trouvé tous les diams jusqu'à là? Qui c'est qui a tout éclairé jusqu'à là? Trop pardon, excuse-moi Captain Obvious. Et ouais, moi je pense que tu es vachement utile. Ouais, moi je pense qu'à ma gueule. Bah oui, on voit ça. Et a priori, ils ont l'air d'aimer ça vu que t'as 26k d'abonnés, tu sais. Bah ouais. Fais sur les côtés. Bah d'accord, ouais. J'ai pensé à un moment. Je suis bien. C'est que je vais miser en opti en op hein en opti. Tiens, regarde. Pardon. Qui a trouvé tous les diams depuis le départ, hein? C'est qui le patron? Ouais, mais c'était moi qui avait commencé à aller tout droit par là, pas toi. C'est qui le patron? Ta gueule un peu, non, par contre. On a tout ce qu'il nous faut, on a tout ce qu'il nous faut, on a tout ce qu'il nous faut. Et ta gueule. T'en as combien? J'en ai un sur moi là. J'en ai trois. Non, je déconne, reviens. Attends. Non, mais on a ce qu'il faut. Ça me bat les couilles, les mecs, en vrai. Écoute, là, je suis chaud, là, je mine, je mine. Écoute, qu'est-ce que je devrais faire? Eh ben, mine. Voilà, je mine. Il me fait pas chier. Là, il y a un petit lag de live, on apprécie la carte, donc on va y aller. Un petit lag de quoi? Live. De live? Ouais, de live. Un petit lag de live. Ouais, un petit lag de live. Ah, écoute, Minecraft, c'est américain, c'est anglais. C'est américain. Tiens, regarde. Tiens, tu vois que j'ai bien fait d'aller voir le petit lag de live. Il y a du jams. Un petit lag de live. Le petit lac de live. Tu veux pas arrêter la drogue de façon instantanée? Non. D'accord, désolé. C'est pas grave. Tu m'as pas trop vexé, ça va. Bon, ça va alors. Et est-ce que t'aimes les lacs de live, toi? Je sais pas, moi je vais faire la foreuse. T'as moi. Mais qui a dit que je voulais t'attendre par contre? Bon, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai du jam sans plus, ça c'est cool. C'est cool. Ah putain, je suis excité! On va pouvoir le mettre encore plus live parce qu'on aura tout pour faire tout. Reviens. Ok. Gros bâtard, tu sais. Très bien. Il fait écoute, est-ce qu'on a tout là pour faire au moins la foreuse là? Pour commencer à faire la foreuse, est-ce qu'on a tout? T'as du fer sur toi? Ouais. T'as pas du fer. Est-ce qu'on a tout? Je sais pas, on va voir. Si on a tout, clairement on remonte, hein. Je sais pas, on va voir. Clairement on remonte, on balance la foreuse. Clairement, je sais pas combien de temps il fait l'épisode là. T'en as combien de temps toi de rec? D'accord. Non mais mec, moi j'ai deux épisodes rec, tu veux vraiment que je te dise le nombre de temps? Non. Depuis qu'on a fait les cons, je suis déjà à 196 Go, j'ai même pas envie de voir le temps en fait. Et écoute, je vais lancer le chrono, on se fait 10 minutes de plus, je sais pas du tout les temps de l'épisode, faudrait vraiment que j'y passe au temps des chronomètres, parce que ça éviterait d'avoir des épisodes d'un quart d'heure et d'autres de 3 quarts d'heure. Là on se retrouve pour encore 10 minutes, allez. Est-ce qu'on a tout là pour faire la foreuse, Franck? Est-ce qu'on a tout pour faire cette putain de foreuse? Mais tu as Est-ce qu'on a tout? Mais ta gueule! Aïe, me tape pas, j'ai tous les ressources sous moi! Ça va, je te mets des coups de steak. Ah mais non. J'appuie ou j'appuie pas? Attends. Quoi? J'appuie ou j'appuie pas? Mais t'appuies sur quoi? Ta gueule! What? Bon bah tiens, on a une pioche en diamant. Elle est pour moi par contre, tu te démerdes. Attends. Moi je sais pas si je vais remonter. Attends, mais j'ai craqué, attends, c'est quoi ce délire? Eh, j'ai kiffé. Oh.
Bah en fait j'ai craft la forêt et ça m'a redonné une pioche en diamant. Allez on remonte. Attends, 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 on la pose, on va voir, attends, attends. Mais non, mais non, mais non, mais on va pas la poser dans une grotte, t'es... Non mais on s'en fout, on peut la récupérer. On peut la récupérer après mec. Non mais mec, pourquoi t'as cassé les crafts? Bah les couilles on se casse. Non mais faut peut-être récupérer les ressources avant. Ça en prend, ça en prend, ça en prend, ça en prend. On prend tout ce qui est essentiel, les pommes on laisse. Après ça on en prend. Vas-y, prends tout ce que tu trouves essentiel. La coupole. La laine, la dirt, charbon, les os. La laine, la laine. Les pancartes. C'est bon. Vas-y, c'est quoi? Allez, on se casse. Ah. Mais attends, là, t'avais fait des escaliers, Franck. Mais oui, mais dans... Attends, alors. Ça, je m'en bats les couilles, ça, je m'en bats les couilles. Bon, on se casse où, ça, je m'en bats les couilles, ça, je m'en bats les couilles, ça, je m'en bats les couilles. Ça, je m'en bats pas les couilles, merde. Ah ouais, les mecs, j'ai une pioche en diamant, c'est pas pourquoi, mais c'est pas mal, j'aime bien. Attends. Mais par contre, j'ai oublié de crafter un truc. Et ouais, voilà, tu m'as induit une erreur, c'est bien. T'as oublié de crafter quoi? T'es content? J'espère que t'es bien content. D'accord, ok, j'ai ouvert Mumble. Très bien. T'as oublié de crafter quoi? A ton avis? Ton avis? Quoi? Les moteurs? Exactement. Oh, mais on a de quoi les faire. Exactement. C'est bon, c'est cool. Hein. Alors attendez, pour crafter les moteurs, je vais vite voir. Pop, 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 pom, pom. Ouais, par contre, pom, 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 charbon pom. Et redstone. On va l'alimenter. Il va nous falloir du... Il va falloir une masse de charbon, par contre, mec. Mais eh ben attends, mais retiens, regarde, arrête-toi là, 2 minutes. Mais là, j'en ai. Faudrait... tout le charbon que t'as sur la route. Faudrait partir, faudrait partir sur 2 stacks de charbon, ça serait pas mal. Ah ouais, quand même. Bah après, la forêt se minera le reste. Je me rappelle, j'avais fait une aventure en solo. J'avais fait un système en fait, ça forêt, le charbon il repartait dans la forêt automatiquement pour alimenter les moteurs. Et tout le reste c'était trié automatiquement. Mais t'es éclaté. Et le fer quand il le récoltait au lieu de le briser en bloc, ça me le faisait fondre automatiquement. Et ça me l'amenait dans les coffres déjà fondus. Ça serait le truc à faire ça. Non, on pourra pas. Merde. Y'a pas les entonnoirs donc on pourra pas. Ah ouais, ouais. Bah, si. Ah ouais non, il y a pas les entonnoirs. Mais... Bon, on se casse vers où maintenant? Mais il faut nous trouver, on va aller faire un petit peu d'exploration, parce que là on a des zombies de neige. Tu sais quoi, il reste à peu près 5 minutes, on va faire 5 minutes d'exploration, tranquillou, comme ça si on croise la bouffe, on prend de la bouffe. On se dirige vers au sud, nord-ouest, nord-ouest, sud-ouest, on se school. On va en 0-0, voir ce que ça donne. Mais non, mais on a spawn en 0-0, t'es con ou quoi? Non, allez, vas-y, go, on se barre de l'autre côté. Vas-y, go, allez, je te suis là. T'es trop lent. Putain, il y avait du sable là, t'es sérieux? Vos zombies clairement ils sont pas les couilles de moi hein. Par contre niveau bouffe je suis pas au top hein. J'ai plus que 4 steaks aussi donc c'est dangereux. Tranquille mille. Ici on est tranquille. Y'a une grotte, y'a une grotte, y'a un creeper. Yep. Bon bref. Tu crois vraiment trouver une île dans le biome neige? Non mais faudrait le passer. Mais t'es où? Ah t'es là. Tranquille, mille. Par contre, niveau bouffe, ça va être la crise assez vite. T'inquiète. Oh. Y'a des champs-champs là, regarde. Mais prends des champs-champs. Moi j'ai plus de place dans mon stuff. Champ. Vous voyez, raise minimap qui bug en haut à droite, on a pris. What? Un squelette. D'accord. Ouais, d'accord, ouais. Par contre, y'a des vaches. Démantelez. Ah, je les sodomise. Non, je fais pas ça avec les animaux, non, n'importe quoi. Putain, Dadou, on t'avait dit de pas le dire en public que t'étais zoophile. Non. Je vois pas quoi toi quoi dire, du tout. Dadou. Allez, trace ta route. Sur ma route, oui, il y avait eu. Hé hey. J'ai rien fait. Arrête ça dessus. Pause déjeuner. Oui. Ou donne-moi des steaks, on les fera fondre après. Eh bah putain, faut pas avoir fait avec toi, Raden. Mais j'avais plus que 2 aussi, mec. Ouais. Enculé. Tu me crois pas en plus. J'avais vraiment. Eh bah. On va pouvoir faire la bosse déjeuner parce que j'ai vraiment plus que 2 steaks. Pas les couilles, frère. Je veux sortir de ce putain de biome de neige. Eh. C'est pas moi, c'est le squelette. Ah, pardon. On va se foutre sur la gueule avant la fin de l'aventure, je sens. Regarde pas toi.
Me regarde pas, je te... Il y en avait un autre derrière. Ramasse les os par contre. Voilà, on a une île là. Là tu vois une île toi? Mais là, de l'autre côté de la rive. Ah de la rive. Ouais non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Le mec il veut nous faire un truc de dinosaure dans un bonnet quoi. Ah je vais te défoncer. Non mais je voulais tuer le squelette. Oh un magnifique carte back de check, ah non c'est bon ça s'est généré. C'est des dinosaures qui veulent la neige, je suis sûr que ça existe. Je suis un biome neige relou. Voulez-vous passer à travers mon biome neige? Attends, oui, je veux. Par contre, on va falloir faire une passe déjeuner clairement bientôt. T'inquiète pas, on va prendre le goûter, t'inquiète pas. Faire la pause goûter. T'inquiète pas pour ça, on va faire la pause goûter, je t'ai dit. Mais ta gueule! Aïe. Ouais, ok. Ah, oh, il a donné de carottes, ça c'est bon ça. La mange pas! Pause goûter. Pause goûter, pause goûter, pause goûter. Pause goûter. Par contre, ne mange pas la carotte, fais pas le con. Oui, je m'inquiète. Tu vas cuire tes trucs? Toujours plus de four, tu sais. Je te rappelle quoi? Je te rappelle qu'on a besoin du. Du charbon! Nanananananana. Il est saoulant ce mec, il est saoulant! Oh. J'ai de la canne à sucre. Enculé! Squelette! Enculé! Je t'en ferai un squelette moi, mec! Non, tu peux pas! On ira tous sur le squelette! Arrête, il reste de cœur là contre ta race! Calme-toi, garçon, s'il te plaît! Ça peut s'avérer triste cette histoire! Là, par contre, c'est vraiment le squelette! Vélo, vas-y, va le tuer, comme ça je pique tes steaks! Enculé, moi! T'es l'enculé, arrête de me voler mes steaks! Ouais, d'accord! Mais arrête! Bah, rien du tout. Tu me voles un steak, je te jure! Je casse le four. Enculé. Comment qu'il l'a eu? C'est toi en plus! Bon, remets les steaks à cuire. Moite-moite. Les gros gamins, tu sais. On fait moite-moite, j'ai dit. Ok, j'en prends 6, je t'en prends 5. Non. Il a moi lui, il a moi lui. Enculé, je dis qu'il est à moi. Squelette. Les gros gamins, tu sais. Oh le bordel. C'est quoi cette aventure là, putain. Ah oui, je tiens à dire un petit truc aussi. Au passage, si jamais il y a des gens qu'on pourrait qualifier de SECPA ou d'STMG qui passent sur cette vidéo et qui nous donnent des conseils et qui nous disent « Ah, vous lisez pas les commentaires, vous les faites pas dans l'épisode qui suit !» Alors les gars, il faut savoir une chose, c'est que nous tournons par période de 3-4 épisodes d'un coup. Donc je veux dire, c'est bien beau. Merci pour la réflexion, bravo, bravo, merci. Tes conseils, on pourra les lire, on va les lire, on va les appliquer. Et t'auras ça dans quelques épisodes, donc ne t'énerve pas, reste calme, tout va bien se passer. T'inquiète pas, nous sommes à l'écoute, nous sommes présents, nous sommes là. Je veux dire, autant lui que moi, nous sommes des gens normaux qui écoutons les conseils des autres parce que nous ne sommes pas des surhommes. Si, moi je suis un peu un surhomme, mais... Voilà, clairement, nous écoutons, on se fait chier là, non, et Taras, on se fait chier. Donc je veux dire, nous sommes des êtres humains normaux, nous lisons les commentaires, mais nous ne vivons pas dans le futur. Donc faudra que tu patientes. Genre, si nous gueule après les crampes, ça se fait comme ça! T'inquiète pas, c'est un épisode qu'on aura compris, mec. C'est juste que tu t'exciteras pendant tout le premier épisode pour rien. Mais on le saura déjà, tu vois. On le saura mais, déjà. Vois, okay. On le saura déjà. Tu veux un coup de squelette, toi? Tu vois ce que je veux dire? On saura déjà que ça se crève comme ça, donc t'as pas besoin de t'énerver. Tu restes calme, tu vas te chercher un petit essuie au frigo, tranquille, au calme, bien frais, bien juteux. Tu t'en bois une petite gorgée, tu m'en dédicaces une si tu veux, ça me fait plaisir, tu vois, je suis content. Tu partages ton esti avec moi, je suis content, ça me va, je suis, voilà, je suis heureux. Et surtout, frère, reste zen, ne t'énerve pas, ne t'excite pas, tout est sous contrôle, tout est calculé. Nous sommes des professionnels du cube, il faut pas l'oublier, pour ne pas dire des professionnels du cul, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, tout est sous contrôle, ne t'énerve pas, comme je te dis, va te chercher ton petit paquet de bonbons. Bon, prends ta bouffe, là. Ta petite canette d'esti, et tranquille, tu regardes, tu sirotes ça avec un petit cocktail au bord de ta piscine, au calme, quand il fait chaud, ou le soir avec ta femme, si elle aime bien ma voix, je sais pas, après si ta femme a des kiffs bizarres, quoi qu'il arrive, t'es tranquille, t'es posé. Et sur ces belles paroles, les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Salut! Salut!